machin et tout ça. Ok. Ah! Vous savez que vous êtes un gros malade? Venez! Et on va. Calibrage du poids en cours. Le transport reprendra dans quelques instants. Attention. Ah shit! Au secours! Au secours! Ah, ah oui, viens sur moi. Ah. Est-ce qu'il est là? Aïe. Et maintenant, comment on fait? Ah. Viens vite! Ouais! Isaac! Moi vite! Vous allez vous faire tuer, ça ne résoudra rien! Norton disait vrai sur un point. C'est un aller simple. Et si je dois mourir sur ce glaçon, Danik m'accompagnera. C'est parti! Ouais! Toujours pas de mort l'autre là? Je pense une trucade dans la tronche, je vais faire plaisir. Yay! 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 J'ai eu un bout de cadavre pour eux. I don't care! Je t'aime! C'est bon! Je vais être mort là! Ok! Here we go! Explosé. Oh, un garde-fou génial. Garde-fou pour me garder de toi. Ok. Ah shit. Désolé. Ok, vas-y. Good job. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. That is the power. Le pouvoir de l'amitié. Essayage. Loulouloul. Nouvelle tenue. Ah. Oh yeah. Chef. Ce n'était pas la solution. Nous nous sommes trompés. La solution. Quelle folie. Plus qu'un, arrête là. Ce ne sont que des appels au secours, des demandes d'aide que nous avons aveuglément suivies. Non. Regarde. Force rouge.
My turn. Je sens tellement bon. Arrête là. Tenue d'élite. Ce n'était pas la solution. Nous nous sommes trompés. La source du signal, c'était la lune. Bon, bon, bon. Ce ne sont que des appels au secours. Peut-être. Je suis force bleue maintenant. Ah ouais? Ouais. Merde, la même. Ah mais c'est la lumière qui rend comme ça. Ah non, je suis rouge. Je crois que j'étais bleu. Je suis déçu. C'est moi. Oh, t'es rouge aussi. Ah, on a la même... Ça ressemble pas mal. Problème. Problème. C'est sur la play. Ah, y'a un petit coffre là. Un petit coffre. Hein. Petit coffre, tu vois. Je vais rattraper, ils sont barrés là. Ils sont vite en fait. Activé. Activation. Oh, geste. Voilà. La 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 la. I don't care. La 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 la. Même au-dessus des... Même quand j'ai tagué sur un trou, ça marche. Il est sur le mur. Waouh. C'est quoi ça? C'est Rosetta? Merde. Waouh. Le premier truc que j'ai vu, c'est un PNJ qui le combattait et toi qui fuyais à côté. Bah ouais, je me suis dit. Oh là 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 là. Aïe quoi. Lance javelot. Armature lourde standard. Super, genre j'en ai pas assez quoi. Ça peut peut-être se vendre aussi. Ouais, je pense aussi. À côté de moi, non, même pas. Ah, ouais, je suis déjà parti. Oh, t'es en train de me relever comme un gentil. Bah, ouais. Isaac Clark, il les a tués. Isaac et Clark. Par où ils arriveraient? Nous ouvrirons les systèmes de ventilation d'ici. Vous ouvrez la voie au vaisseau. Allez, vite! Bordel! Il faut le retrouver avant l'arrivée des renforts. Vite!
Artefact découvert. Earl Serrano, grâce au constat de fin fond du site des forêts, je peux superviser les fouilles auprès. Chaque joueur apporte son lot de découvertes fascinantes, dont aucun être humain n'a été tranquille. Hier, par exemple, nous sommes parvenus à une immense cavité envahie par une lumière verte étrange. Puis, une espèce vapeur créée par la rencontre de deux atmosphères différentes pour la première fois depuis des siècles. Les équipes de forage sont petites, équipées de caméras. Dès les premières images, n'en croyez pas mes yeux, de la brume émergeait une immense cité à l'architecture éblouissante et aux statues impressionnantes. C'est un je trouvais. Cool. Journal perso de Dr. Earl Serrano, une nouvelle fois. Le crâne de ces êtres présente 6 orifices, menant chacun à une chambre de résonance comparable à notre cavité nasale. Lorsque de l'air passe par ces orifices, il traverse une membrane phonique qui vibre et module le son. L'ouverture et la fermeture des différentes membranes créent des notes. Cela coïncide avec des inscriptions que nous avons découvertes sur de nombreuses structures. Il ne s'agirait pas d'un langage écrit, mais d'un mode de prononciation. Il y aurait 6 lettres ou notes de base, simples a priori, mais les combinaisons de notes donnent de nouvelles significations. Les notes pourraient également être tenues plus ou moins longtemps. De toute évidence, cette espèce n'avait pas besoin d'un guide de prononciation pour sa propre langue. On dirait davantage un ajout posteriori, comme si ces êtres savaient leur jour compter. Il cherchait donc à communiquer quelque chose de très important à ceux qui découvriraient leur monde. Dans un sens, ils nous ont laissé un moyen de les écouter, même après leur mort. Cool. Cool. Moi j'aimerais bien être un des leurs. Je chanterais tout le temps. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. La 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 la. Voyez, ça essaie de communiquer. Niveau inventaire, je suis putain de bien. Ouais, moi aussi, je suis cool. Ok, that way. Et qui vient machine à écrire là? C'est cette lune informe en orbite qui contrôle tous les menus. C'est l'étape finale de ces êtres. Enfin, presque finale. En fait, les natifs de la planète ont construit une machine destinée à figer la formation de la Lune. Mais ça ne suffit pas. Même incomplète, la Lune est parvenue à transmettre son signal au monolithe. Et c'est loin d'être fini. Il y a plusieurs lunes qui forment un réseau à travers les étoiles. Une fois complète, chaque lune vient se connecter et prévient les autres. Alors si celle-ci devait s'achever, ses sœurs viendraient ici, pour se nourrir. Mais gardez espoir. Les natifs n'ont pas fini la configuration. La machine ne devait pas figer la Lune. Elle devait la détruire. Trouvez le codex. Il vous permettra d'accéder à la machine et de la reconfigurer. Suivez ma piste au cœur de la machine et mettez un terme à tout ça. Cool, il est gentil lui. Ouais. Carver, vous entendez ? La machine peut briser la Lune. Ah, tu m'as bloqué. Il faut la configurer correctement. Et Danik, traducteur. Stopper Danik ne suffira pas. Il faut rapporter le codex. Lui seul permet de configurer la machine. Ah, ça fait du bruit. Apparemment, c'est pas le bon bruit. Ah. Tu le vois là? De quoi? Là, il y a le code ici. Où ça? Ah. Le bar, triple bar. Donc le double bar, il est bon. Le dernier, je l'ai bon aussi. Le milieu, c'est pas le bon. Ouais. Le milieu, c'est deux barres horizontales et une barre avec un point en dessous. Voilà, nickel. Yeah! GG. C'est les Wookiees. Waouh. Sévère.
certes. J'ai l'impression d'être dans Persona 3 avec le Tartarus. Dieu. Ah, tiens. C'est sûrement le frère. Mais ça doit être une machine. Sans doc. Alors on est arrivé. Ouais. On y est. Vous devez me promettre quelque chose. Si je dois mourir. Vous finirez le travail, ok? Nous le finirons, Carver. Vous et moi. Vous et tous les deux. Bro. Partner. Je vous ai quand même bien aidé. Ça jouera en ma faveur à la fin, non? À la fin? Ouais. Pour me racheter. J'ai fait des erreurs. Oh, taisez-vous, Carver. Tout le monde en fait. J'ai laissé tomber mon fils. Torpillé mon couple. Isaac, j'ai tué Santos. J'ai le droit de m'en vouloir, non? Vous avez un bon fond. Mais on fait pas toujours ce qu'on voudrait. Tête de méchant. Copains. Je suis désolé pour elle. Merci. Pas le temps pour ça. Moi aussi. T'es rouge, je suis bleu. Non, c'est l'inverse. Hein? T'es rouge, je suis bleu. C'est pas trop tard. Plus de retour possible. Reprenons le codex. On a même combien. Ah non, t'as raison, ouais, j'ai oublié rouge, toi t'es super. Ok. On est devenus des vrais partners. Et on va atomiser la gueule de Dalek. On va lui faire tellement mal qu'il va avoir envie de manger son catogan par son oreille droite. Au moins. Au moins. It's time to let's go. Ça me fait penser au film Alien vs Predator. Dalek, arrêtez ça. Isaac, c'est bien vous? C'est bien vous, Isaac. Vous êtes terriblement difficile à tuer, en êtes-vous conscient? Dalek, que désolé. Vous sur la ligne. Vous savez ce que c'est? Ce doit être une des merveilles de l'univers. Oh, c'est quoi ce truc? Cette chose est vivante. Elle a faim. Regarde devant. Elle n'est pas toute seule. Si vous coupez la machine, elle sera libre. Elle réunira ses semblables. Elle trouvera les monolithes. Et elle nous tuera tous. Comment? T'as la grande colonne. Regarde au pied de la colonne. Uniquement votre ignorance qui vous est. Cette espèce de créature. Danique, vous m'entendez? Ah. Tu vois ça où? Regarde là. Ah oui! J'ai pas envie d'affronter ça, moi. Ça va être le dernier des extraterrestres, ou un truc comme ça. Le dernier des dinosaures! Ah, ok, c'est là-dedans que ça va, ok. Wouhou! T'as trouvé un truc? Ouais! Ah oui, ça, ouais. C'est un 80, c'est une bombe! Ah oui. Ah oui. Force blanche, tu nous as trahis. Ok, les deux c'est fait. L'air d'une nouvelle bombe. Ne va pas par là. Quoi que tu fasses. Oh, un artefact. Tous les artefacts Unitologie ont été découverts. Kit de circuit Unitologie. Cool. Disponible à l'établi. La balle. Ah, les artefacts, ça donne des trucs au final. C'est cool. Il fait la malle. Ouais. C'est bon. Il faut un autre truc pour la bombe. Ici, il y en a un autre. Ah, cool. Attention à la Bomberman. Go Isaac! 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 Isaac. Oh. Dans ta gueule! Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ah, ça m'a projeté en fait. Ah! Hé hé! J'ai... Aide-moi!
On est tombé. Ouais, c'est vrai. Mais on a le codec. Des monolithes partout. Faut qu'on apporte le codec. Le codex jusqu'à la machine. Oh, il y a les extraterrestres aussi. Ça va devenir. Faut bien qu'on se paye des extraterrestres zombies. C'est ça, c'est. Oh, nouvelle c'est race. Nouvelle race. Parce qu'en gros, vu qu'eux ils sont morts aussi à cause des monolithes, ça devient des extraterrestres nécromorphes, mais de leur race à eux. Nouvelle mission secondaire. Au sujet de leur maladie, mais aussi allez. Au sujet de ce qu'ils ont trouvé. Voilà. Ouais. Je pense. Ouais, c'est par là. Un établi. Ah oui, je voulais voir le nouveau circuit qu'on a eu à l'établi. Tu m'étonnes. Amélioration d'armes. Kit de circuit. Ah ouais! Des plus 3 recharges, plus 2 dégâts et tout. Sympa. Alors, gros stuff.